Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame. Oui? Oui, très bien, bonjour madame. Nathan, Marie Ducel, pareil. Oui? Là, vous êtes bien atroce, vous, hein? Oui. Bon, bah, figurez-vous que ce matin, dans le ciel de l'Atroce, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel. Alors, je vous explique de quoi il s'agit, hein. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur, il n'y a pas ça chez vous, non? Non, personne? Bon, alors, il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route, hein. Ah bon? Il était contre un arbre, et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous, il faisait coucou avec les mains, quoi, hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, ici. Alors, on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez, madame, c'est pas compliqué, hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui. Vous êtes connoté, là? Oui. Alors, il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc, il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, Ah ou bon. d'un caniche bleu champion de trampoline, si vous voulez, quoi, hein. Et il fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Bah oui. Alors, attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à l'Atroche, c'est bien chez vous, Oui. mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai deux cheminées Eh même. bien, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Oui, d'accord, j'entends. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, je vous Oui, entends. il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui? Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis bien chez madame. C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je suis... Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé, là j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes, et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui? Mais pourquoi? Parce que moi j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie, voyez-vous, j'avais une petite envie, et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre, et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie, vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez vraiment envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, ben oui. Mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah, ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle. Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elles viennent. Ah, ben, demandez-lui, alors. Je vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord. Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui? Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. Il est dans la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est, ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez. Il pisse. Il est bien dans la cheminée, là? Dites là, qu'est-ce que c'est, cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Oui. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement.